C'est en 1970 que le ministère de la Défense nationale décidait l'extension du camp du Larzac. De 3000 hectares, ce terrain militaire allait s'étendre sur une superficie de 14 500 hectares. Pour le ministre de la Défense, cette décision se justifiait par l'évolution des armes et des véhicules modernes. En 1914, les régiments d'infanterie ou de cavalerie manœuvraient sur des espaces réduits et très lentement. Aujourd'hui, par contre, les blindés atteignent la vitesse de 45 km/h et les canons d'artillerie portent jusqu'à 25 km, ce qui exige de grandes surfaces de manœuvre et une forte dispersion des engins. Mais un problème se posait. Pour agrandir ce camp, il fallait exproprier les agriculteurs. Des bergers qui vivent sur le Causse depuis plusieurs générations, l'élevage de brebis laitières étant destiné à la production du roquefort. Selon les uns, 107 exploitations devraient disparaître. Mais l'armée conteste ce chiffre et précise que 23 exploitations seulement seraient touchées par cette décision. On parle beaucoup aussi d'environnement, de protection du site, de sauvegarde d'une nature sauvage et belle qui risquerait d'être détruite. L'armée répond, les vestiges du passé reconnus intéressants par le ministère des Affaires culturelles et situés à l'intérieur du camp seront préservés et protégés. Il y a 2 ans, une commission départementale réunissant pouvoirs publics, collectivités locales et représentants du monde agricole a été créée afin d'examiner les problèmes posés par l'extension du camp. Et déjà, des modifications ont été apportées dans le découpage du futur terrain militaire.